Yo les amis, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Euro Truck Simulator 2 pour découvrir la nouvelle mise à jour des narcos par Mehdi Modigne pour la version 1.31 de notre jeu préféré. Donc les narcos, hein, que j'avais fait un pack il y a quelques temps déjà, hein, sur le Steam Workshop, je l'avais mis sur OTS2.NT et MD Modigne a fait une mise à jour pour la 1.31 avec les câbles et il a retouché quelques petites choses. Alors tous les skins que j'avais fait pour ce mode sont compatibles, donc je pense aussi à d'autres personnes pour qui j'ai fait des remorques privées en narco. Vous avez juste à changer la remorque elle-même, il n'y aura pas de souci. Donc nous avons une quarantaine de skins de ma part, plus quelques skins de Fred B, si je me souviens bien, puisqu'il y a la de Lille, donc ça doit être la sienne. Donc vous avez Skanska, qui est de moi. Ensuite, c'est quoi ça déjà, je me rappelle plus chez qui, c'est Transco. Voilà, Transco, SA, etc. Alors, ce que je voulais dire, c'est que chaque remorque, en fait, chaque narco a son propre cargo. Donc, toutes les narcos ne font pas les mêmes cargos. Voilà, pour plus de diversité. Willy Betts, alors c'était la première, c'était un test, hein, avec des tags. Et puis, comme vous pouvez voir ici, le scotch, voilà, comme quoi elle a été réparée, etc. Donc, elle est plus de très bonne, elle est plus très jeune, hein, comme remorque. Rigard. Eddie Stobart, hein, comme bien sûr, hein, comme d'habitude. Ça c'est l'ordinaire. Donc là nous avons les skins de Fred B. Donc vous avez Willy Betts, il en avait fait une. DSV, Ewalds Cargo Car, l'ordinaire, Delille, voilà, Delille Transport Logistique, hein, qui sont à côté de chez moi d'ailleurs. Norfolk Line, Voss Logistics, DHL, Lodisna, Transalliance. Voilà, donc la de Lille encore une fois. Ensuite, nous repassons aux miennes. Donc la Rouleau Transport, PKP Transport, la Drière, la Greywing, Gruber, Framptons, JLG Service, Telekitrans, Jisk, Rizzo, Portman, Van Dieren, Goodyear, Steam, Rouxel, Star Transport, Ziegler, AFS, Wallenborn, Branjon Logistique, DHL, GBV, La Leclerc, Cress, Transport Grimont-Prez, Moritime, Sabico, Dixon, Roucairol, Catrou, Ross, Chronopost, TNT, Licorne, alors celle-là c'est magnifique, j'ai galéré à la faire en fait, elle existe réellement, c'est pas une narco obligatoirement, mais elle existe. Attendez, je débranche juste un truc là qui me saoule, c'est ma cigarette, voilà, donc la Licorne Black, donc c'est une bière, c'est une marque de bière, et donc cette remorque existe vraiment avec tous les petits trucs black là, etc. Pas très simple à faire. Ensuite, nous avons quoi? Bouteille Coca-Cola, donc vous voyez, hein, comme les cargos, comme la bière licorne en fait, voilà, elle fait que la bière licorne, tout simplement. Coca-Cola ne fait que Coca-Cola. Ensuite nous avons Skanska, et voilà. Donc nous avons fait le tour des remorques, nous allons tout de suite se retrouver sur le jeu et je vais vous montrer ça pour les câbles. A tout de suite. Allez, c'est parti, on est à bord de mon DAF TLI, on va tout de suite s'accrocher à la remorque, mater un petit peu tout ça. Allez, go. On y va. Voilà. Et on accroche. Donc la magnifique narco. Moi franchement c'est une remorque que j'aime bien quand même. Donc vous pouvez voir que les câbles sont bien accrochés, etc. Voilà, on va avancer un petit peu. Mater un petit peu tout ça. Voilà. Les câbles sont bien là. Très belle remorque. Très belle remorque. Voyons voir un petit peu. Ok. Qui est autant droit, qui est autant gauche. Ok, c'est parti les amis, on va aller faire un petit tour avec.
histoire de voir ce que ça donne. Je suis très content qu'elle soit mise à jour. D'ailleurs, il y a une mise à jour d'une autre mort qui va arriver. Je suis très pressé aussi de pouvoir reskiner un petit peu dessus. Qui, celle-là, sera mise à jour aussi sur le Steam Workshop. La narco, la mise à jour, reviendra peut-être après, hein, sur le Steam Workshop. Car je sais qu'elle avait bien fonctionné, mais il y en a surtout une qui fonctionne très bien sur le Steam Workshop que je vais pouvoir mettre à jour. À vous de deviner laquelle. Où ça passe. Ça passe doucement. Mais sûrement. Donc sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. On continue ETS 2 avec un peu moins de fougue en ce moment. Hein. Je suis un peu fatigué. Un peu là, etc. Donc je suis un peu moins présent. Surtout à la télé d'ailleurs. Et puis voilà. Donc toujours mon mode Next graphique. Qui marche très bien hein, sur les maps d'origine du jeu. Et contrairement à la pro mode, vous voyez, bah, j'ai aucun lag par rapport à la pro mode en fait. Je joue là en 400%, j'ai tout à fond. Ça marche beaucoup mieux que sur la pro mode. On va voir ce que ça donne. Vous voyez ? Hop ! Un petit screen. Magnifique, magnifique. Alors j'ai vu là récemment une remorque qui a été mise à jour par Bora ou non par MD Modine, mais il y avait des je crois que c'est les Schmitz je sais plus quoi, et puis il y avait le skin Van der Ren. C'est un très beau skin, simple mais efficace, vraiment sympa, je l'aime bien. Allez, on va rouler un petit peu. Ouais, parce que ça, ouais, franchement le next gen graphique il est vraiment excellent quoi. Très sympa comme petit ensemble avec la TLI, ça marche super bien. Allez, on va rouler tranquille. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai toujours mon petit DAF TLI. Je le kiffe bien. Avec tout l'intérieur et puis les accessoires de SISL qu'il a retouché d'ailleurs, puisqu'il y avait des accessoires perso que je n'ai pas pu ravoir, donc il faut que je les refasse. On peut voir la narco de l'île en trafic. Ça a l'air de bien marcher, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. On va pouvoir voir, se mettre à sa hauteur si on arrive à le rattraper. Parce que j'ai un petit peu de mal à monter quand même. Voilà, de l'île. On arrive au rond-point. Par contre, vous voyez les trafics, on a vu qu'il n'y avait pas les câbles. La Transalliance aussi en trafic. Donc comme je disais, ouais, une petite baisse de forme en ce moment, donc je fais pas trop grand chose sur ETS2 ni sur rien d'ailleurs. Je joue pas mal à PC Building Simulator, j'adore ce jeu. Mais voilà, en ce moment j'ai une petite baisse de forme, une petite baisse de rythme, etc. La chaleur, tout ça, et puis bah moi l'été, hein, je suis pas trop amoureux de l'été. La chaleur, j'aime pas trop ça. Et puis avec le boulot, pour ceux qui savent ce que je fais comme boulot, bah c'est plus dur quoi. Donc voilà, c'est vraiment horrible. Donc j'ai un petit peu de mal. Alors c'est pareil, on me passe commande sur ETS2, j'ai pris des commandes en cours, mais voilà, il faut quelques jours, pour pouvoir me lancer et puis honorer les commandes qu'on m'a fait. Alors beaucoup me proposent de l'argent pour les faire. Moi je demande pas d'argent, moi c'est juste des dons. Donc c'est pour ça que je veux rester libre de prendre mon temps pour faire ce qu'on me demande en fait. Parce qu'à partir du moment où on va vous payer. Vous avez un délai à tenir, etc. Et moi, je veux pas être pris par le délai, en fait.
Voilà, moi je fais les choses quand j'ai envie et au rythme que je veux. Donc c'est pour ça que je ne demande jamais d'argent, juste des dons. Comme vous avez pu voir, récemment, j'ai lancé mon Tipeee. Ça me ferait plaisir d'avoir des petits commentaires, etc. sur le Tipeee. Ou des dons, etc. C'est sympa. Le Tipeee, c'est l'avenir. Je vous invite à créer le vôtre. Donc voilà pour cette petite narco, les amis. Magnifique, vous pouvez voir la saleté, etc. que j'ai mis sur, sur la remorque. Ouais, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien, la narco efficace. Bon, je préfère la Crown 2017 quand même, qui est beaucoup plus belle. Mais Abstras, non, c'est Abstras ou Abestras, ah, je sais plus comment il s'appelle, qui est en train de la faire, mais il a ralenti le projet, donc bah, j'ai hâte quand même que ça sorte. Pour pouvoir skinner tout ça, faire un pack magnifique sur le sujet. J'ai plein d'idées d'ailleurs. Donc voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter vite fait la narco. MDMaudit qui m'a demandé hein, si je pouvais faire une petite vidéo comme la dernière fois sur... c'était sur lesquelles remorques d'ailleurs. C'était sur... je me rappelle plus c'était quoi les remorques. C'était pas... Je sais plus en fait. Je sais plus c'était sur quoi que j'avais fait les remorques. Bref, il m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo comme la dernière fois. Donc voilà, moi ça m'apporte des abonnés, ça m'apporte des vues, etc. sur les vidéos. Donc voilà pourquoi je fais ça. Et puis autant les présenter alors qu'il y a mes skins, dedans quoi. Hein. Donc voilà cette petite narco. J'espère qu'elle vous plaira. C'est du bon travail. Tout est propre et tout. J'ai pas vérifié au niveau des... Mais d'ailleurs je sais plus c'est quoi mes touches. Je sais plus c'est quoi mes touches pour descendre les roues, etc. Donc je peux pas vous le faire. Ça c'est le klaxon. Donc non, je peux pas vous le faire. Je sais plus c'est quoi mes touches. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, aller voir sur les Facebook de MDMaudit, sur mon Facebook Christophe Garage, sur mon Tipeee, tout ça. Enfin voilà, visitez un peu tout ça, matez un peu tout ça. Et puis bah, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Sur ce les amis, je vous bise et je vous dis à bientôt. Et ciao.